monde, j'espère que vous allez bien. J'ai enfin rattrapé mon retard. Ça fait trop du bien de filmer sur le moment et de dire ce qui s'est passé cette semaine pour moi. Donc, je suis trop contente de commencer cette semaine totalement dans le vrai là parce qu'on y est. Vous avez vu mon pull, franchement, trop beau. Si vous le kiffez, c'est à Undis que je l'ai trouvé. Je l'aime trop. Il me fait penser un peu au sweat des années 80 que nous mettaient nos mamans. Voilà, quand on était jeune, hein, parce qu'elles avaient beaucoup de goût à l'époque, hein, faut dire. Donc, cette semaine, votre bébé ressemble à ceci. Donc, c'est un bébé qui mesure 34,6 cm et qui pèse 660 grammes. Pour vous référencer à un fruit, ça sera une petite, grosse papaye, hein, parce que la papaye, c'est quand même un bon fruit, et un petit lapin pour l'animal. Pour les symptômes de cette grossesse, la fatigue, je l'enlève un petit peu parce que ça va un petit peu mieux cette semaine. J'ai l'impression que je retrouve un petit gain d'énergie. Mais par contre, je dors beaucoup. Alors, je ne sais pas si c'est le fait que j'arrive à trouver un rythme un petit peu mieux qu'avant. Je me couche à 22h et je me lève à 7h pour amener Alouena à l'école. D'ailleurs, je vais vous faire une petite routine maman au foyer avec Alouena. Voilà, maman au foyer, femme enceinte, enfin je ne sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo, mais voilà. Donc la fatigue, oui, un petit peu partie, j'ai l'impression. Cette semaine aussi, la sensation de jambes lourdes et des bouffées de chaleur, beaucoup de bouffées de chaleur. Mais ceci étant dit, j'ai pas eu cette grosse frayeur comme j'ai eu la semaine dernière. Mais sinon, tout va bien. Mal de dos un petit peu, ça commence, j'ai envie de dire. Mais je pense que je vais la rajouter à la 25e parce qu'on est dimanche. Donc forcément, voilà, ça va un petit peu... Voilà. Donc, je sais pas si vous avez l'impression, mais j'ai l'impression que là, il reste... Ouais, 3 mois. Il reste 3 mois. Et c'est... comment dire? C'est long. Ça commence à être long, long, long. J'ai tellement hâte. D'ailleurs, je voulais vous demander, est-ce que vous avez commencé à acheter des affaires pour bébé? Moi, c'est pas du tout le cas niveau vêtements. Déjà, j'ai ceux d'Alouena, vu que c'est ma deuxième petite fille, étant donné que j'ai beaucoup d'affaires de bébé. Par contre, j'ai acheté tout ce qui était poussette, j'ai acheté tout ce qui était tour de lit. D'ailleurs, vous pouvez le voir dans cette vidéo, c'est là ou là, dans le petit i que je vous mets là. Sur ce, je vous fais à tous de très gros, gros bisous. Je vous dis à la 25e semaine. Et puis j'ai trop hâte là de commencer vraiment avec vous parce que au final, là, c'est du 100% vérité. Je suis plus en retard sur mes vidéos et je suis trop contente. Donc voilà. Plein de gros bisous. Ainsi font les petites marionnettes. Ainsi font. Et puis ça va.